Et re tout le monde. Allez hop. Du coup on y retourne. Hein. Bon pour l'instant on est sur 4 drafts en 7 victoires d'affilée quand même. Ce format me plaît beaucoup. Salut Ed Payne. Allez mon gars, clique. Clique, 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 clique. Tu peux le faire. Exerce une pression avec ton index. Nice, il a trouvé le bouton. Oh. Je suis béni. Je suis béni des dieux. En plus, il y avait une bonne rare à côté. Hein. Le véhicule n'était pas horrible non plus. Hein. Mais bon, c'est tous les jours carnage. Sans la moindre hésitation. Oh là 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 là. La meilleure carte du booster qui va dans la même couleur et qui est insane. Ah, mon Dieu. J'ai comme l'impression qu'on a eu les meilleures cartes de la table. Tout le monde hésite. Ils hésiteraient pas autant s'ils avaient des bombes. En vrai, c'est pas si simple là. Ça, c'est pété si on joue Grul. Il y a ça aussi. Ah, c'est peut-être mieux ça d'ailleurs. Hein. Bon, il y a le bilan, mais c'est un peu tôt pour partir là-dessus. Il y a des bonnes cartes noires, mais Golgari, je suis pas forcément un grand fan. Ouais, le bleu, non. Le blanc, non. Il y a ça aussi, c'est vrai. Ouais, il y a... Oh, les removals noirs, par contre, c'est sexy, hein. Après, pourquoi pas Golgari, hein. Mais j'ai remarqué que c'est plus souvent open le rouge. Ah, je sais pas, j'ai envie de prendre ça, moi. Ok, waouh. Ah, il y a du bon vert dans le pack là. Hein. Ah, limite, ça pourrait être elle au-dessus du reste. Hein. Ouais, parce que le rouge, je suis pas sûr à 100% de jouer rouge. Le vert, a priori, c'est sûr et certain. Il y a le gym aussi, mais. Ouais. Je pense qu'on préfère clairement ça. Il y a un removal. Removal qui marche bien d'ailleurs avec les survival. Mais bon. Ok, le vert on oublie. Donc ça pourrait être ça pour Simic. Ou ça pour Grul. Ou ça pour Golgari. Ouais, il y a plein d'options là.
Le removal noir me plaît bien. Nope, ça c'est bien. Très très bien comme carte. Et on est sûr de jouer vert a priori. Waouh. Ok. Bon, s'il y a des gens qui jouent Dimir, ils vont se régaler, hein, mais nous, ça ne nous intéresse pas, là, hein, clairement. Pourquoi pas le rat? Ou sinon, il y a Glimmer Burst. Très très bonne carte pour Simic. On peut rester open, hein. Ouais, bilan pour du blanc, ça m'intéresse pas. Le contre dans Simic, c'est cool. Sinon, il y a le removal rouge. Je pense que c'est l'un des deux. Il y a Spectral pour jouer noir. Aïe, aïe, aïe. Après, on a tellement de manifestations. Je pense qu'on est bien, bien équipé pour Simic. À voir. Blanc non, bah requin ici je pense. Hein. Cryptide, j'aime pas. Ça marche bien avec toutes les cartes qu'on a pour manifester, mais pff, ouais, je suis pas un grand fan. Hein. Après au moins c'est sûr qu'on la joue. Ouais, c'est peut-être quand même ça pour être sûr de la jouer la carte. Wood. Creeping dans Simic c'est nul. Stalked aussi. Ça c'est rarement joué, mais on sait jamais. Blanc, non. Ça peut être bien. Les trois là m'intéressent. Il y a ça aussi, mais quitte à prendre du rouge, je pense qu'on préfère Azorkin. Breakdown, c'est la moins bonne des trois, mais on est sûr de la jouer. On bouge. I don't know. Après, ouais, peut-être quand même rester open. Sachant que c'est une bonne carte. Là, je sais vraiment pas ce qu'on va faire. Hein. Ah. Est-ce que j'ai des trucs qui livrent le cimetière? J'en ai une. Peut-être deux si on joue noir. Pour l'instant, on n'en a que deux, mais... Ça peut être marrant, Crypt. Cartographe, c'est pas si fou, hein. Il y a ça aussi pour Grul. Oh, wow, wow, wow. Ah, c'est pété. C'est pété si on joue Grul. C'est ça ou Crypt, je pense. J'ai plus de chances de jouer noir, hein. Merde, j'ai pas eu... Je voulais... Ah, j'allais cliquer sur Crypt. Je suis un peu déçu. Ouais, en plus, il y en a une deuxième derrière. On était trop bien, là. Fuck. Peut-être ça pour rester un tout petit peu open. Clockwork c'est fort aussi, mais.
Du coup, je sais pas. On va voir, on va essayer de voir ce que les gens laissent. A priori, le bleu, on jouera pas. Oh, ça, c'est fort. Ouais, mais non, ça, c'est mieux, je pense. Manifest Dread. Saint Name, c'est un peu tard. Oh, ça, a priori, on n'en veut pas. Hein. Ok. Ça, c'est un peu compliqué à jouer. Cultiste, c'est ok. Ripchen aussi. Ah, fait chier. Après, le rouge, on voit pas grand-chose. Hein. Bon, ça, c'est fort, mais... On pourrait juste manifester et on reste encore open. Après, on va beaucoup manifester. Hein. Mais bon. Quitte. Je sais pas. Mon inst... Non. Non, 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 non. Glimmer. Il y a l'analyste, mais je pense que le bleu là c'est dead. Hein. Malgré que ce soit une excellente carte dans le pack. Ah, Cryptid ça devient fort ici. Leash, j'aime pas trop, je suis pas sûr de la jouer. Ouais, j'aime pas trop ça non plus, mais... Il va falloir se décider. Bah, je pense que rouge sera plus fort. Hein. Je dirais que on est un petit peu mieux en rouge. Bon, après on peut quand même prendre le dog au cas où. C'est aussi fort que le singe. On peut encore wow, please. Killer Mask, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Deux, trois, quatre. La crypte peut être bien. Hein. Tricolore, je suis pas un grand fan. Ouais, surtout que là on a tellement de manifestations. C'est peut-être lui quand même au-dessus. Quand on joue du vert, il nous faut du late game. Hein. Late game qui peut nous éviter des galères de mana en early. What the fuck? Beaucoup non après en vrai
Osef, non? Ah, et donc nous. Ça, j'aime pas trop. Ah, vas-y, fais quitte. Il y a Infernal, mais dans ce pack, je pense que c'est pas bon. On n'a pas assez d'enchantement. Bilan, c'est bien. Ok, waouh. Ah, je pense que je préfère une grosse bête. Hein. Bien beau le bilan, mais de toute façon, on a du cycling. Lui, il est vraiment solide. Hein. Violente urge, il y a moyen que ce soit bien là-dedans. Hein. Vu qu'on a 1 milliard de manifestations, on va souvent avoir le délire. Artefact, sorcerie, instant. Bon, on n'a pas d'enchantement par contre. Ça, c'est un peu relou, mais bon, le reste des cartes me plaît pas tant que ça. Hein. Ouais, ça reste mieux quand même, Clockwork. Ça va bouger, je pense. Ça aussi. On est à 24. Ouais. Une carte à cut. Peut-être ça. Pas très utile dans ce pack, je pense. Ouais, là c'est solide, hein. Excel. 8-17. Par contre, on peut peut-être faire ça quand même. Hein. Genre, hop, hop. Pour équilibrer un peu. En early, on a souvent besoin du vert. Ouais, je pense quand même que 8-17, il nous faut au moins une forêt de plus, surtout qu'on a Biland. Et au pire des cas, on a ça pour aller chercher de la montagne. Ça me paraît bien. Est-ce que j'ai envie de splash noir? Je pense pas. Hein. Tout ça pourquoi crypt? Mais crypt qui se passe de cultiste, c'est dommage. Et cultiste, on peut pas le jouer, c'est 2 manas noires, on peut pas splash avec ça là. Onze-douze, sachant qu'il y a ça. Ouais, on a beaucoup, beaucoup de créatures. Bon, à la rigueur, lui, on peut ne pas le compter. Eux, par contre, c'est 100% des créas. Donc, ça fait 17. Peut-être que j'aurais dû prendre le deuxième comme ça au lieu du singe. Pour être sûr d'avoir un petit trick en plus et de pas meuler trop vite. Bah après en vrai on n'a pas tant de trucs que ça qui meule. Ça des fois ça meulera pas. Bon ça enlève un land du deck mais Osef. Non on n'a pas tant de meules que ça. C'est ok. Et dans tous les cas de toute façon la game est censée se terminer assez vite. On a combien de manifestations au total? Huit. Ouais, donc les cryptides sont quand même solides. Ça, j'aime pas du tout. Et ça non plus. Food. Apparemment, ça a des bonnes stats d'Engrul. Ah bon? Ah bon? Pourquoi d'Engrul spécifiquement? Pour le délire?
What the fuck? Bah, c'est vrai qu'on a... On a pas mal de délire, mine de rien. Notamment eux qui en profitent beaucoup, ça aussi pour le double initiative. Ouais. Why not? Glimmer, par contre, je pense vraiment que c'est pas ouf. J'ai du mal à comprendre à quel point les stats sont vraiment hautes. Hein. Genre, les stats sont supérieures à ça, à ça. C'est même supérieur au chien, genre, pour vous dire. Je me rends pas bien compte. Faut tester. Mais du coup, faut que je cut une carte. Est-ce que je cut un land? En vrai, je pourrais. Hein. On est tellement bas dans la curve. Je pourrais cut une forêt. Vu qu'on a 3 cartes de cycling et que ouais, bon, on a du late game mais pas des masses. On a quand même beaucoup de cartes qui coûtent moins. Moins de 4 mana donc. Et on a ça pour aller chercher un land. Ça peut nous aider à récupérer un land. Les clockwork aussi. J'aime bien. J'aime bien comme ça. Let's go! Équipe tous les jours. T2, T3. Est-ce que je lui montre que je joue du rouge? Je pense pas, pas tout de suite. Prochain tour, il le verra. Ça se garde, je pense. Hein. Est-ce que je suis si pressé que ça de la gérer? Peut-être pas. Non. Parce que là, s'il fait removal sur le chien, ça veut dire qu'il peut me mettre que un dégât, c'est pas très grave. Voilà, s'il développe, il gère pas le chien. Et là, on a un bon tour 4. On peut faire feu et manifester. Commençons par ça. Rituel éphémère. Alors, on va mettre la créa. Hein. Un land. On va le faire maintenant, comme ça on peut envoyer la 2-1. Il peut rien faire de toute façon. Et en plus on l'exile. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'en vois quand même, ouais. On est à une carte d'avoir une 3-3, mais Osef. Hein. Il joue Boros, si on peut l'agresser, lui enlever ça, c'est ok. Hein. Voilà. Ça se garde. On a ça aussi hein, pour piocher à tout moment. Ah, un peu dommage, mais ça me va. Ah. Ouais, c'est ok, c'est ok. I don't know. Si je pioche que j'ai un land, c'est bien quand même.
Cryptid, on pourrait vouloir la garder, quoique à ce stade. Ce stade, non. Et on va attendre. Là, il pourrait tenter de faire un tricks pour prendre ma 3-3 gratos. Ça me plairait bien qu'il le fasse. Ok. Du coup, je sais pas. Est-ce que je j'exile pas elle plutôt? Ouais, si, quand même. Hein. Pas très grave ici de prendre 4. Nice. Ok, il doit défausser du coup. Ok, Osef. Donc il pourrait. Ah, il laisse ma 7-6? Ah bah. Oh. Enjoy! Ok! Ouais, mais bon, c'est pas très grave. Puis je pouvais pas savoir, j'en avais qu'un. Mais je pense que au moment où le jeu m'a proposé la deuxième pulsion avec un singe, j'aurais dû prendre la deuxième pulsion. Dans ce pack, c'est insane parce qu'avec toutes les manifestations qu'on avait, on sait qu'on a souvent le délire. Et je j'ai déjà énormément de créatures dans le pack. On n'a pas beaucoup de tricks de combat. J'aurais dû prendre la deuxième. Après, le singe est ok. Le singe est quand même vachement cool. Ça permet d'aggro un petit peu en early et au pire des cas, ça se remplace. Ça nous fait avancer dans le deck. Donc ça va. Excellent. Et un T2, T3. Bonjour. Donc là, on a rituel. Est-ce que j'envoie quand même le singe? Je pense que oui. Quoique. Ah, je sais pas. On pourrait ne rien faire aussi. Hein. Je peux aussi faire ça. Si je touche Carnage ou un Drop 6, en fait, c'est chiant là avec le singe. Et ça, j'ai pas envie de lui donner là-dedans. Je crois qu'on va commencer par ça. Ok. On manifeste ça. On récupère la montagne du coup. Et on attend. On a rituel créature. On peut rajouter éphémère et artefact là-dessus. Joseph. Wow, il joue 4C. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben d'accord. Aucune raison de pas poser le land. On pourrait full attaque. Ai-je une raison de faire autre chose avant? Non.
Maintenant que le carnage est passé, en fait, c'est ok, hein. Ok, on a le land au cimetière, donc là on a le délire. Je pense qu'on peut défausser lui pour avoir le cinquième land, ça me choque pas. Comme ça on récupère, on se rapproche du carnage en fait. Nice, on peut exil ça et bourrer, hein. Je crois que c'est le plan, hein. Carnage, on peut éventuellement attendre si jamais on touche le 7ème land, parce que là on en a déjà 6. Go bourré. Ça, ça meurt dedans. On peut retourner ça ou manifester. Je dirais qu'on préfère manifester ici. Ah. Osef. Waza, yo Kingsman. On peut retourner ça aussi, hein, tour 6. Oh, joli ça. Mais... pas suffisant. On y va. Je peux retourner d'abord ça et garder ça up plutôt que de retourner la 7-6. Après, si je fais ça, je le mets à 1 PV, hein. Mais je sais pas. Je préfère ça, je pense. Ça setup létal aussi. On sait jamais, ça pourrait servir ce truc. Dans tous les cas, on a l'étal sur les deux créas. Il faut qu'il gère les deux. Donc là, il va gérer la 4-3. Ok, ça me va. Peux-tu gérer la 7-6? Il ne peut pas. Fuck. Ah, il a ciblé le bon, hein. Ah, il est fort, hein. Je me demande s'il faut pas quand même le faire maintenant. Après, ça c'est fort si on fait carnage derrière. Et de toute façon, ça setup létal. Faut qu'il gère les deux. Allez, il a plus beaucoup de ressources. Et on a assez de cartes dans le deck pour faire le x est égal 3. Enfin, il faut un land, hein, mais au pire, on fait x est égal 2. C'est pas très grave. On met double 4-4. Ça devient une 4-5. Et même la 2-2 peut le tuer. Boris. Eh ben, on se rapproche de Mythique, hein. Petit à petit, on avance, on avance. Ouais. Oh. Non. Oui. Ok.
Comment faire ça? Ok, nickel. Et on n'attaque pas, je pense. On garde en blocage. Ah! Toi, tu vas te manger ton removal direct. Hein. Arabella, on n'a pas envie de la laisser. Nice. Attendez. Éphémère rituel terrain. On n'a pas encore le délire. Bon, on pourrait le retourner pour voir s'il est hérité, mais ça va s'empaler dans la 3-2. Ça me plaît pas trop. Je pense qu'on fait rien ici. On va attendre. Jumelle et Norin, c'est fort. Hein. Ça va être relou. Ok. On tue quoi ici? On tue jumelle, justement pour pas qu'il puisse faire mumuse avec? Ou on tue directement Morin? Ah, c'est vrai que ça peut être casse-couille, mais ça m'embête de cramer un removal sur une 2-1 qu'on peut juste gérer avec des 1-1. Prêt. Ça casse les couilles. Oula. À tout moment, je peux défausser ça et avoir une 4-3. Hein. Mais là, je le fais pas parce qu'il a déjà de quoi la gérer. Ça sert à rien. Si on peut toucher des landes pour la jouer directement en 7-6, c'est pas mal aussi. Ok. Go mettre ça, je pense. Ok. Ouais, on va utiliser, parce que j'ai qu'un mana rouge, donc on va le retourner maintenant, pendant que c'est possible. On pourrait exiler la tirelire. Ce qui me permettrait de bombarder avec ma 4-3. Bon, il peut juste mettre ça et ça dedans, mais ça lui réduit son board, c'est ok. Il fait pas de trésor. Après on peut juste bloquer, on est contre Boros aussi. On pourrait juste passer le tour et attendre. Ouais, je pense que c'est mieux. C'est légèrement mieux d'attendre. Nous on a des grosses bêtes, on a carnage dans le deck, on a plus d'intérêt j'imagine à contrôler légèrement pour l'instant. Tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir prendre le dessus sur lui. Ouais. Ah, ok. On peut demander forêt, comme ça on manifeste là-dessus. Ouais, mais non. Ah, c'est dommage. Je peux pas la jouer, en fait. On est obligé de faire effroi. Du coup, on a... Ouais, bon, on aura une 3-3. C'est ok, c'est ok.
Wesh, Hyper Shadow, merci pour l'abonnement offert à Linkpo. Linkpo qui est abonné sans jamais mettre la CB. Talent de haut niveau. Ah. Ah, c'est une 3-3, hein, donc je sais pas si j'ai envie de retourner. Après, il a plus grand-chose. Peut-être que ça reste correct. Pour gagner du temps. Parce que là, je vais devoir faire ça. J'ai pas le mana pour retourner. C'est beaucoup de temps perdu. Ah, j'aurais dû jouer le bois par contre. Si je top des carnages, je suis déçu. Non, j'aurais dû le poser. My bad. Et ouais, go Discord. Non! La sacrifie pas! La sacrifie pas! Tu me la laisses! No! Taras le jeu. On a 17 landes dans le deck, hein. 16, pardon. Ah, oh, putain. Ok, bah faut top deck carnage là. Carnage, 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 ta mère la pute. Pardon, excusez-moi, c'est pas gentil. Vive les landes. Vive les Landes, vive les Landes. Très heureux. Pas de jurons. Ok. Est-ce que ça compte si je dis juste sa maman? Parce que c'est pas un juron de dire sa maman. C'est des mots tout à fait normaux. Qui c'est qui parle de ma mère? Yo, vous se connecte. Ah, c'était pas toi en face de moi. J'ai joué contre toi ou... Ou t'es en mode kappa là? J'ai pas fait gaffe. Ah non. C'est pas un juron, ça passe. Ok, bah sa maman alors. Sa maman les Landes. En plus, je dis sa mère, je parle des Landes et du jeu, je parlais même pas de mon oppo. Mon oppo, il y est pour rien si j'ai pioché full Land. Ta mère en short, ça passe. Ouais, ça passe, ça passe. Il y a des mamans en short, c'est tout à fait normal. Y a rien d'insultant. C'est une règle basique. Il faut râler dans la vie. Ok, on est bien là. T1, T2, T3. En vrai, les shorts, c'est respectable. Bah, tout à fait, oui. Aucune raison d'attaquer après. Ah, ouais. Mon père l'a fait du land, mais bon. Au moins, on a une créature, c'est mieux que rien. Est-ce que j'envoie quand même le singe? Prochain tour, oui. Je crois que là, on n'a pas envie parce que s'il y a carnage, on est extrêmement déçu. Je préfère toucher un carnage quand on a au moins 5 mana dispo. Donc prochain tour, on pourra. Et là, de 2, on n'a pas envie de l'envoyer non plus. On préfère la retourner pour prendre un marqueur et avoir peut-être une 3-3. Vigilance. Surtout que si singe meurt, on a le délire. On a land, rituel, créature, artefact. Donc ça va être une 3-3 vigilance. Ok. Ok. Nice. Peut-être qu'il faut commencer par ça. Ça exile en plus, c'est bien. Ça lui coupe le délire. Il n'a pas de trésor. Et du coup, on peut faire ça et ça.
Après, garder singe pour gérer nos reins, peut-être. Ah. I don't know. Ça, c'est gratuit, on envoie. Ah, c'est un peu chiant parce que là, tour 5, on n'a rien à faire. Faudrait vraiment qu'il meure, lui. Au pire, on peut retourner lui. Et j'imagine que vu qu'on a déjà 5 landes, on défausse pas. Hein. On garde les cartes de Sikling. Ouais. On a bien fait. Est-ce que... Non, on n'a toujours pas le délire. On peut l'avoir en cyclant. Mais on n'a pas envie de cycler là. Ah, c'est pareil. Ça revient exactement au même. Moins 3 dégâts. Enfin, le. Ok. Ça me va. Là, on va enchaîner les grosses bestioles. Ah! 3C. On attaque avant de poser, on sait jamais. Bah, j'espère qu'il a des removals de qualité parce que il va en avoir besoin là. Ah, oh, va te faire. Sérieux. Bon, après, on avance, hein, on avance, on avance. Est-ce que je préfère lui ou lui? En vrai. Pourquoi on voudrait une menace? Ça setup létal. Non, je pense que lui est mieux. Ça fait 10 dégâts sur le board, il a 10 points de vie. Je vais pas demander des... J'ai dit j'espère pour lui qu'il a des removals de qualité, mais ça veut pas dire que j'ai envie de me les prendre. Non mais... Vas-y! Ah, il est chiant lui, hein. Voilà, est-ce que t'en as un troisième maintenant? Ah, c'est abusé qu'il ait double removal à 6 dégâts sur les doubles 7-6. Il faut arrêter. Ok, il ne l'a pas. Ah bah, enjoy, hein. Je sais pas si j'envoie quand même la 3-3, parce qu'il pourrait juste double bloc. Ça m'arrange pas forcément. Oh, ça, je pouvais le faire après, parce qu'il n'y a rien qui me permet de le tuer, hein, ça change rien.
Ah, je pouvais l'envoyer, mais ça le tuait pas. Ouais. Ah, peut-être qu'il fallait le faire avant. Probablement. Ouais, c'était légèrement mieux parce qu'il avait pas de. Il avait pas de bonne option de toute façon. Le fait qu'il sache que je manifeste deux fois, ça l'aurait pas incité à double bloc là. Hein. Je pense pas. Il perd des deux créatures gratos donc. Donc là, il est dans la merde, hein, parce qu'il lui faudrait Pyroclasme, mais ça tue son board. Lavrasse qui détruit les trucs tap, c'est nul. Si ça détruit les détapes, il perd son board. Et encore, il manque un mana blanc. Il y a Lavrasse rouge, mais ça infligerait que 2 dégâts. Ça tue pas tout. Comment il fait là? Je crois qu'il a perdu. Hein. Ou alors, faut qu'il arrive à mettre 20 en un tour. Un peu compliqué. Sinon, il faut qu'il gère 2 créas. Parce qu'il a que 2 bloqueurs. Faut il faut qu'il gère la 5-6 et la 3-3. Ce qui est pas gagné. Hein. Bon, après, l'avantage d'avoir mis mes 7-6 pour forcer ces removals-là, c'est qu'il a pas profité du délire dessus. Il a été obligé de les cramer pour se défendre. C'est une bonne nouvelle, du coup. Il réfléchit, alors est-ce qu'il rope ou est-ce qu'il a peut-être un moyen de survivre et qu'il réfléchit au meilleur la meilleure option? Ah, il pourra avoir 2 bloqueurs. Ah non, il faut 3 bloqueurs à cause de lui là. Ouais, non, il réfléchissait mais il peut pas. Ok. 3-1 du coup. Attendez, je vérifie quand même. Ouais, j'ai 16 landes, je suis pas fou. Parce qu'on a fait des sorties avec beaucoup de terrain quand même. Hein. Ouais. Bref, on est à 2h. Je vais me refaire une petite pause avant de poursuivre. Oh. Ouais, on verra après si je fais. Je sais pas si je ferai le draft rapide aujourd'hui en live. On verra le temps. Tant que ça prend. On aura le temps de refaire un draft majeur, par contre, peut-être. On va voir ça de toute façon. Du coup, je vous dis à tout de suite. Et heureux tout le monde. Allez hop. On y retourne, on se dépêche, on se dépêche. Il y a moyen de passer mythique là aujourd'hui. Ça peut le faire. Alors, petit instant promo, c'est vrai que je le fais jamais, il faut que j'y pense des fois. Alors, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Évidemment, n'ayez pas peur de venir si vous êtes débutant ou quoi. C'est pas un Discord spécial pour les joueurs de haut niveau, on s'en fout. Hein. Tout le monde est le bienvenu, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et tous les liens sont disponibles dans la description sur YouTube et sur mon profil sur Twitch. Voilà. C'est vrai que des fois, il faudrait que je commence à, à le dire. Je n'y pense jamais. Heureusement que Linkpo est là pour mettre le Discord dans le chat. Ok, ça mouligane. Le land, on le veut. Comme ça, on fait un Inspecteur T3. Là, idéalement, on voudrait double Inspecteur. Ah, j'aurais peut-être dû attaquer d'abord. Ouais. Oh, ça change pas grand chose vu le mana qu'il a, mais. Il fallait attaquer d'abord. Là aussi, on attaque d'abord, pas avec le chien, mais avec l'inspecteur. Qui double bloque. Oh, il aurait jamais dû faire ça. Oh là là, quelle erreur. Mais quelle erreur! Eh ouais mon gars. C'est gratuit, merci.
tricolore. Ok, c'est une 1-3 du coup. Bon, par contre, les landes, c'est en option. À skip. Et d'ailleurs... je pense qu'on va faire ça. On pourrait défausser removal aussi. Ah, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Légèrement mieux. J'aime bien. De lui enlever son lien de vie pour bourrer, lui mettre 6 face là, c'est pas mal. Hein. Choisissez une créature que je contrôle. Le chien, peu importe. Et on y va. Hein. Et on a envie de jouer l'inspectrice avant de faire les effrois pour booster au max. Wouah. Agrougrou. Ah bah là, ouais. On va faire ça. Agrougrou. On frappe comme un sauvage. Wouah. Grul, c'est fort. Je pense que Grul, c'est fort. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et on n'a pas joué une seule game avec le carnage. Hein. Même pas besoin. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que pensent certains, je mets le rouge assez haut dans le top des couleurs. Je mets top 2 ou top 3. Parce que le rouge rentre bien dans tous les decks. Izzet, c'est bien. Grul, Boros. Rakdos, peut-être pas si cool, mais il y a quand même 3 bons decks avec le rouge. Surtout Boros. Noir et rouge, c'est du soutien facile. Ouais. Dans ce format, ouais. Surtout le rouge. Hein. Le noir un peu en dessous, mais... Ça reste ok. Toutes les couleurs sont bien. En vrai, même la moins bonne couleur qui est le noir dans ce format, je trouve qu'elle est quand même tout à fait jouable. Hein. Ça dépend juste des drafts. Faut être attentif à ce que font les joueurs à votre table. Mais tout est ok, hein. Tous les decks sont corrects. Il y a des decks moins bons que d'autres, mais qui sont quand même jouables, avec lesquels on peut faire des bonnes perfs. Mono bleu, c'est pas jouable, il y a trop de bonnes cartes. Rouge. J'ai pas la ref, moi. Ok, miroir. On fait la course. J'ai pas envie de garder un blocage pour l'instant. Ah, les 2-10-1. Oui, oui, oui. Ah bah oui, c'est exactement ça qu'on avait dit. Mono bleu, c'est pas jouable, il y a trop de bons rouges. Oui. Exact. J'ai pas envie de lui donner un trésor. Ah, il y a moyen qu'on perde là. Hein, parce que on est en miroir. Il a une meilleure sortie que moi. Il était sur le play. Ça peut devenir très compliqué là. Ok, ça me va. C'est un bon trade. Par contre, on est à 11. Faut faire gaffe. Bon, tour 4, on peut draw et faire ça. Il me faudrait le removal rouge là. Ce serait bien pour exiler cette... Cette tirelire, il a pas de mana. C'est pas un removal, ça. Ah! Il
Il suffisait de demander. Et en plus, ça nous donne le délire. Moi, je pense qu'il faut y aller tous les jours, là. Pour l'instant, il peut pas faire ça, il manque de land. Et on a vu qu'il n'en avait pas en main. Dans deux tours, on a une 7-6 Pietos. Ok. Ah. Chiant, ça. Par contre, je joue 16 landes, hein. Je rappelle, on en a eu 3, 6, 10 landes. 10 landes sur 16 cartes. Est-ce que tu peux arrêter le jeu au bout d'un moment? Oh, et on a une carte broken qui part au cimetière, c'est relou ça aussi. Casse les couilles. Mes couilles terrasse. J'ai eu envie de le dire. J'ai eu envie de le dire. Ah, go le retourner pour avoir le surveil. Bah, GG, well played. Force à toi, mon gars. J'espère que t'as passé un bon moment. J'espère que tu kiffes ta game. Et en plus, il est bloqué, il peut pas jouer ça, il peut pas faire ça. Ça, c'est trop trop lent. Oh, il a pas de land. Oh my god. Il bloque, il a un tricks. Il a pas de tricks? Pourquoi il bloque? Bon, il va qu'on cède là. Hein. Spoiler, les gars. Il va qu'on cède. Regardez l'explosion là. Voilà. Il a peut-être trois blessures. Ah ouais, il attendait. Ouais, pas con. Mais bon. Le carnage qui met 3-5-5 sur le board. Et pourtant, il a eu une bonne sortie, hein. Il était sur le play, il était bien aggro, mais bon, les landes qui viennent pas. Et on touche le carnage, surtout ça, hein, qui détruit la game. Bon, après, on avait une 5-6 menace aussi à poser en main. T1, T2, T3. Ah, je suis béni, hein. Je suis béni des dieux en ce moment. À part il y a quelques jours, là, on a eu deux journées difficiles. Mais en vrai, du coup, c'est fine. Hein. On va pas se plaindre. Bon, un peu cher, mais ça reste une créa pour plus tard, on verra. Ok. C'est peut-être quand même ok de donner le singe. Pour le délire en fait. Bon, on perd un drop 6, mais c'est pas très grave, Osef. Ok. Go faire ça d'abord, peut-être qu'on peut trouver le délire. J'ai pas de land au cimetière.
Ouais, go le jeter juste pour délire, je pense. Il y aura ça aussi après. Par contre, je pense pas qu'on défausse pour aller chercher un land. Hein. Ah. Ouais, c'est pas très grave. Là, par contre, je le garde, le land. C'était bien à jeter pour le délire, mais là, j'ai envie de le garder. Hein. On a quand même deux drops 6. Et si on arrive à les toucher, avec ça on peut l'étaler assez facilement. Oh, c'est chiant ça. Sérieux toi? Ok. YOLO! Et sur une montagne, on peut aussi coller 10. Bah 12, on peut l'étaler avec ça sur une montagne. En admettant qu'il ait géré la 7-6. Il gère la 7-6, putain, il est relou un peu quand même. Hein. Ah, go jeter ça. Hein. Ok, attaque s'il te plaît. Nice. Allez, montagne, montagne, le jeu, montagne, montagne. No! Ah! Fuck. Il a rien à récupérer. Est-ce que j'ai envie de mettre les dégâts face ou trade la 2-2? Bonne question. Trade la 2-2, ça lui donne une créa à ramener. Non, je pense qu'on a envie de mettre les dégâts face, hein. Surtout que du coup on a l'étal peut-être avec ça au prochain tour s'il garde pas de bloqueur. Ouais, Osef. Ah, ça c'est un problème par contre. Ouf. Clockwork ou ça? Ou chien de garde. En vrai, peut-être que c'est mieux le chien de garde. Qui peut représenter l'étal. Ça fait surveille. Parce que là, j'ai besoin d'un mana en fait. Je peux pas jouer ça. Ou alors, attendez, j'ai land. Non, j'ai pas land. On pourrait prendre ça, la poser, chercher une montagne. Ah, c'est mieux, je pense, du coup. Bon, il peut faire venir une 5-5 et m'exiler la 5-6, c'est relou, mais bon, j'ai pas le choix. On a quand même fait un beau ménage. Pulsion qui enlève deux créas. Et ça lui prendrait tout son tour. Oh putain, encore un autre. Par contre, à moins qu'il ait un truc à faire avec deux mana, pourquoi il a joué Cocoon plutôt que ça? Ah, pour le marqueur fatalité, bien vu, bien vu. Ah! Il va pas apprécier. Ouais. Mais on peut faire ça d'abord.
J'ai aucune raison de le faire avant, lui. Oh. Petit carnage, là. Petit removal. Le removal se prend. Même si on va d'abord faire ça. Et on y va. Et en plus, on l'a exilé, donc il peut pas la rejouer avec son truc là. Il peut rejouer quoi? Il peut rejouer Fear. Ouais, Fear, ce serait bien. Ou il peut retourner ça pour piocher, gagner 2 PV, mais c'est greedy de ouf ce qu'il fait là. Malheureusement, on trouve pas l'étal, mais bon. Je crois que je dois faire ça quand même. Je peux pas lui laisser ce machin là. Après, merde, j'ai cliqué, je voulais faire annuler au cas où, parce qu'il peut la revive, mais... Ouais, mais si je l'ai laissé, il allait attaquer, re-soigner et revive autre chose. Genre ça. Ouais, non, dans tous les cas, il fallait quand même faire le removal. Il est chiant, hein. On n'a pas gagné encore. Hein. Ok, on va tuer ça tout de suite. Hein. C'est trop relou. Allez, des dégâts, un truc. Oh yes, baby. Let's go. Ah. Attendez, j'avais quoi dans le deck là qui me permettait de passer autrement? Est-ce que j'ai beaucoup beaucoup chaté ou est-ce que j'avais d'autres trucs bien là? Ah, je peux plus voir les cartes de mon deck? Merde. Un tapet ne me permet plus. Il nous restait... On en avait une deuxième comme ça. Il y avait Carnage. Bon, ça nous permettait pas de le tuer, mais ça nous mettait super bien. Qu'est-ce qu'on pouvait top deck là? Est-ce que j'en avais un deuxième comme ça? Je sais plus. J'avais des inspectrices. Pulsion, on l'avait déjà joué. Ouais, j'avais que ça en vrai. Le singe, c'était pas suffisant. Il manquait un dégât. Bon, on a chaté, mais. Après, il était bien chiant lui aussi en face. Hein. Go keep. Je vais faire ma corvée de vaisselle. Bonne chance pour le run mythique, à plus. Yes, merci. À plus et bon courage pour la vaisselle. Ça, on a envie de garder pour après inspectrice. Et ça, on n'a pas envie de le laisser. Je pense qu'on va la gérer. On va lui révéler ça. Vu qu'on va la jouer au prochain tour. J'ai pas envie de lui montrer quand on a casse-branche. Ça me va. Let's go. Ok. Removal. Ah. Chiant. Ah. Ah. On va prendre un land. Et on va poser... On va faire ça, je pense. Au-dessus de Vanier.
Là, on veut le faire, le carnage à 5. Hein. Pas de land. Ah. Fuck. J'avais pas de land au cimetière, non. Pour le délire. Chier. Bah, let's go, hein. Tant pis, hein. Comme ça, on fait le carnage au prochain tour. Hein. Et là, on pourrait juste exiler le vanille et c'est pas mal, hein. Pas y faire grand chose. Ah, c'est un bon tour hein, qu'il fait quand même. Hein. Est-ce que je grid? Le X est égal 3. On peut bloquer, hein. Non, on peut pas bloquer. Ah, je pense que c'est trop greedy. Fuck. Lequel on préfère? Une vigilance 3-3 ou... Non, ça c'est bien, ça. Le chien... Et là, on pourrait lui coller 12, 14. On pourrait l'étale presque. Fuck. Go tuer le chien. On prend 4. Putain, on n'a pas l'étale. Il nous manque un mana rouge. Non! Hein? Attendez quoi? Ah, ça met deux marqueurs! J'aurais dû grid! Non, j'aurais dû grid! Ah, putain, sérieux? Ah, l'enfoiré! Putain, il m'a sorti 4 immovable! Ça va, le mec? Ah, bah, GG, hein. Et en plus, on pouvait faire le X est égal 3, là, avec la montagne. Après, je pense que c'était quand même mieux ce que j'ai fait, parce qu'il fallait piocher le 7ème land. Déjà, c'était pas sûr, et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il trouve double removal, là. Il a bien chaté sur les draws. Hein. Ah, vas-y, sérieux, là. Ouais. Évidemment. Les drop 2, c'est en option. Évidemment. Merci le jeu. Casse les couilles. Ouais. Bon, c'est pas grave, on va faire 6-3, mais... La frustration est très, 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 très grande, là. Please. Sérieusement. Je suis abattu. Je suis littéralement abattu. Ouais, en face, ça joue trois tricolores, ça joue curvé, mes couilles. Ah, il avait pas de T2, mais... Ah si, c'était ça, T2, parce qu'il avait un tapland. Ouais, bah ouais. Va te faire. Non, mais...
très heureux. Horrible. Ouais, putain, c'est tellement dommage. Oh, mais... Non. On était si proche des 7 wins. Là, on est vraiment pas loin de le kill en plus, hein. Mais je peux pas, je vais mourir de toute façon. Ouais, il faut qu'il bloque, mais il bloquera pas. Ah, il bloque. Du coup, je peux encore survivre. Il aurait jamais dû bloquer, je pense. Bon, après, on est quand même dans la merde, hein, mais... Ah, 8 landes, quoi. Chier. Le carnage sur la manifestation avec Under the Skin, ça, c'est triste aussi, hein. Vas-y, c'est pas juste! Il n'y a pas de justice. La game d'avance fait troll pixel aussi. Wouah. Ah, c'est mort. Hein. Là, il va récupérer 1 milliard de PV. Bah, il a l'étal, hein, de toute façon. Oui, il y a l'étal. Non. Vas-y, le jeu. Laisse-moi faire mes 7 wins. Sans déconner. Ah, oh, putain.